Bonjour à tous, c'est Daphné. Nouvel art constructeur challenge aujourd'hui, la ferme continue avec la grosse plateforme qu'il y a derrière moi. Alors vu comme ça, je sais pas si vous avez quelques idées, mais cette grosse plateforme, c'est pour la maison du fermier. Cette idée, vous me l'avez dite, redite et redite, je crois, et évidemment, il fallait la faire. Enfin, c'était une évidence même. J'attendais juste d'arriver vers la fin de la ferme, en fait, pour la situer un bon endroit, et puis je trouvais que c'était bien, voilà, de, entre guillemets, terminer avec la maison du fermier. Je dis entre guillemets parce qu'il y a encore, normalement, si je ne dis pas de bêtises, deux vidéos en rapport avec la ferme, mais dans l'idée, c'est la dernière grosse construction liée à la ferme. Voilà, normalement, si j'ai bien tout goupillé, mon planning, c'est ça, puisqu'on a quand même déjà pas mal de constructions relatives à la ferme et je pense très sincèrement qu'on a fait le tour niveau relations animaux de la ferme et animaux de arc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, aujourd'hui, maison du fermier, c'est parti! We'll be right back.
me voici devant la maison du fermier. Ça y est, elle est finie. Avant de visiter l'intérieur, je me suis rendu compte que à l'intro, je ne vous ai pas parlé de la plateforme de base parce que bah, forcément, du coup, vous ne l'avez pas vu en construction. Donc, je voulais vous dire, du coup, ces mesures. Ah, il faut savoir que le gros carré, donc la base de la ferme, enfin, la base de la maison du fermier, on va y arriver, c'est du 8 par 8. Voilà, donc c'est un carré classique. Après, vous avez ici cette petite jointure bizarre que j'ai faite. En fait, elle est collée à la première. En fait, il y a deux hauteurs. C'est-à-dire qu'ici, c'est la même hauteur. La maison du fermier et ça, là, cette petite parcelle, c'est la même hauteur. Donc, cette petite parcelle est faite de deux. Voilà. Et j'y ai mis, en fait, alors de manière plus ou moins collée. On a l'impression que c'est collé, mais en réalité, non. Hein. C'est moi qui ai bidouillé. Et ici, en fait, c'est une autre plateforme complètement à part. C'est juste, je l'ai collée, mais comme je vous ai dit, officiellement, elle n'est pas collée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense, quand je dis ça. Et donc, cette autre petite plateforme, c'est du 3 par 4. Donc, 4 de longueur et 3 de largeur. Voilà, voilà. Mais bon, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. Après, les mesures, je sais que c'est... Enfin, c'est pas le plus important, mais je sais que certains aiment bien la voir. Donc, je préfère le préciser avant la visite. Et puis, voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer la visite. Alors, d'un point de vue extérieur, donc forcément, on a cette petite parcelle ici qui est l'atelier du fermier. Pourquoi je l'ai fait à l'extérieur, ouvert comme ça ? Pourquoi pas, hein ? J'ai envie de vous dire. Pourquoi pas ? Voilà, j'ai eu envie, donc je l'ai fait, tout simplement. Après, vous avez évidemment la petite déco extérieure. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste un peu de verdure. Et ici, un petit banc pour se poser. Et regardez le paysage, parce que mine de rien, il a quand même une sacrée vue, Pépère. Moi, je peux vous le dire, il est bien, notre fermier. Il est très, très bien. Maintenant, l'intérieur. Hop. Alors, nous y voilà. L'intérieur se présente comme ceci. Donc, ici. Comment vous présenter ça? On va partir, on va faire un petit tour. Voilà. Donc, la première partie, déjà, on donne accès tout de suite à un escalier. C'est un choix volontaire de le mettre au centre de la pièce. J'ai eu envie, tout simplement. Là, vous avez, je dirais en fait que cette pièce est séparée en deux espaces, c'est-à-dire un coin détente, un coin travail. Donc toute cette partie ici, à gauche de l'escalier, c'est le coin travail, et toute cette partie-là, c'est le coin détente. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, c'est tout ce qui peut être du stockage et également une map. Alors malheureusement, c'est pas la map de Ragnarok, hein, c'est The Island, mais voilà, j'avais envie que le fermier ait une vision complète, avoir une carte, voilà, je sais pas, je trouvais que ça lui allait bien. Donc j'ai mis une map. Mais on dira que c'est Ragnarok, on fera genre. Là, vous avez son bureau, pareil, avec toujours un peu de stockage, de quoi bosser, etc. Un peu de déco. Évidemment, voilà, vous l'avez vu au cours de la construction, j'ai utilisé les mods cette fois-ci. C'est un choix, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais des fois, ça peut quand même être bien remplacé. Pas tout, bien évidemment, sinon je ne me servirais pas des mods. Mais certains peuvent être quand même remplacés niveau trucs utilisés par des mods. Là, ici, vous avez la petite cuisine avec la petite assiette de cookies. Que serait Daphné sans son assiette de cookies? Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, là, c'est vraiment la petite cuisine. Je l'ai voulu plutôt rustique, pas trop dans le surjoué. La petite table avec la véranda. Non, mais franchement, imaginez-vous manger là. On est bien là. On a vu sur les Gallimimus, là-bas. Au fond, on a les cochons, je crois. Les cochons, les biquettes, je ne sais plus. Enfin, on a une belle vue, quoi. On est bien, là. Moi, j'aimerais bien manger, là. Et après, on a le petit coin feu. Voilà, bon, là, c'est pas allumé, il fait chaud, hein. Mais on aurait pu l'allumer. Voilà, un petit coin salon, tranquillou. Voilà, voilà. Évidemment, vous avez l'accès à l'atelier depuis l'intérieur. Voilà, c'était un choix également. Ensuite, on monte. À l'étage, on a évidemment bah, tout ce qui est chambre et salle de bain. Voilà. Alors, les deux chambres sont identiques. Voilà. Alors, on peut dire soit c'est une chambre parentale, une chambre enfant, soit une chambre et une chambre d'amis. Voilà. Je les ai voulu toutes les deux pareilles. Voilà. Donc, après, libre à vous de faire votre imagination. N'empêche, vous avez vu cette parure de lit ananas. Moi, je suis fan. Je veux la même. Voilà. J'aimais trop. Donc, c'est pour ça que je les ai mises. C'est un mode. La liste des modes, je vous la mettrai en barre d'infos.
N'hésitez pas. C'est pas un My Paintings ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment lié au mode. C'était le mode qui proposait ça. On a ensuite un balcon. Alors malheureusement, il faut se baisser pour rentrer. C'est le problème d'utiliser les modes. Des fois, vous voyez, ben, on se cogne la tête. C'est un petit balcon, voilà, avec le code couleur du jaune qui est encore là et toujours cette magnifique vue, puisque là-bas en face ce sont nos pans, donc les plumineux, et là-bas on a nos petites mouettes, donc les espérornis. Enfin voilà, toujours cette magnifique vue. Après, quand on ressort, là vous avez la salle de bain. Voilà, alors la petite salle de bain avec douche, toilette et baignoire. Rien de très extravagant, me direz-vous, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a qu'une salle de bain, j'aurais pu en faire deux, mais j'en ai voulu qu'une. Voilà, ça reste un fermier. J'ai voulu quelque chose quand même d'assez humble dans la construction, pas une maison 4 étages avec 3 étoiles partout, faut pas déconner. Ça reste notre petit fermier sur arc. Là, vous avez un espace jeu, si éventuellement il y a des enfants. Voilà, j'ai fait un petit espace jeu avec des peluches. Et ensuite, au-dessus, vous avez le grenier. Voilà. Et dans le grenier, j'ai fait une petite référence à un dessin animé que j'aime beaucoup, à savoir Heidi. Voilà, Heidi a un lit au grenier, chez son grand-père, avec une petite fenêtre ronde comme celle-ci. Voilà, et j'ai eu envie de faire cette référence-là. Me demandez pas pourquoi. Voilà, moi j'aime beaucoup Heidi, donc j'ai eu envie de faire ça. Et sinon, c'est un grenier plutôt classique, voilà. Avec la paille c'est lié au fait que ce soit... chez le grand-père d'Heidi. Voilà, chez le grand-père d'Heidi, c'est comme ça, il y a de la paille. Elle-même, normalement, dort sur la paille, mais bon, je n'allais pas faire ça quand même, je lui ai mis un petit lit. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et là-bas, des petites boîtes de stockage pour simuler comme si c'était un grenier. On a tous des boîtes dans notre grenier, des trucs qu'on stocke. C'est le principe d'un grenier. Et puis, voilà, j'ai fait le tour pour la maison du fermier. Ne vous inquiétez pas, je préfère le dire avant que j'ai la question en commentaire. Évidemment, notre fermier aura des chiens, mais vous verrez ça très bientôt, sûrement la prochaine fois d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette petite construction, enfin petite construction, plutôt pas, hein, parce que pour le coup, elle a dû durer quelques heures celle-ci. Hein. Bon, vous au montage, vous direz pas du tout ça, mais ouais, elle m'a pris quelques heures celle-ci, forcément, hein, et encore, je ne fais pas le farming, heureusement pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous laisse. Bye bye les kikis.